Oui, que la paix germe pour la population syrienne, profondément blessée et divisée par un conflit qui n'épargne pas même les personnes sans défense et fauche des victimes innocentes. Que la paix germe aussi sur la terre où est né le Rédempteur et qu'il donne aux Israéliens et aux Palestiniens le courage de mettre fin à trop d'années de lutte et de division et d'entreprendre avec décision le chemin de la négociation. Le Christ porte son regard sur les nouveaux dirigeants de la République populaire de Chine pour la haute charge qui les attend. Je souhaite que celle-ci mette en valeur l'apport des religions dans le respect de chacune, de sorte qu'elle puisse contribuer à la construction d'une société solidaire, au bénéfice de ce noble peuple et du monde entier. Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et mania semper.